rejettent leur gaz pur sur les bidonvilles. On dirait que ça les attire. Les créatures se réunissent près des gaz. C'est tout comme dans les tunnels. C'est entièrement la faute de la Shinra et de la Mako, ça. On est juste à côté. On ne peut pas passer par là non plus. Ouais, il y a sûrement un autre chemin. On est obligé de continuer de chercher. Il faut aussi aller récupérer cette materia. Ha! Labyrinthe sans fin, n'est-ce pas? Moi aussi, j'en ai retenu quelques-uns. Franchir la section H, si on veut aller au réacteur. Ouais. Seulement, on n'a pas du tout trouvé de moyen d'accéder à cette section jusqu'à présent. Non, mais on va bien y arriver si on continue comme ça. Libre à toi d'avancer au hasard. À mon avis, le moyen le plus sûr d'y arriver, ce serait... de longer le mur. Ça coûte pas grand-chose d'essayer. Et puis, on aura l'impression de se rapprocher. C'est une bonne idée. On doit donc aller vers ces gros ventilateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque pas de se perdre comme ça. Ce sont des ventilateurs d'aération? En tout cas, ils ont pas l'air de servir à aspirer ces cochonneries de gaz puant. Toutes les substances toxiques sont déversées directement sur les bidonvilles. Reste en retrait. Je récolte toute la gloire. Je t'aime. Prends ça.
Regardez, on devrait pouvoir monter sur ce tuyau. Ça nous permettrait de traverser. Vous êtes sacrés. J'ai pas peur. Ça va aller. Je risque rien. Ça va. Regarde pas en bas. N'aie pas peur. Oh non! La vache! Ces ventilateurs sont vraiment très bruyants! T'as la frousse ou quoi? Mais non! Je suis seulement un peu inquiet pour toi! Léger comme t'es, tu risques de t'envoler! Tais-toi et avance! D'accord! Suivez-moi! Ce petit vent est vraiment très agréable! Mais alors là, pas du tout! Surtout, regarde, droit devant! Ok. Arrêtez, hein? Enfin, pendant un très court instant, genre à peine 2 secondes.